Hey Joe, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de polir cette magnifique Aventador. En fait, quand on n'a pas de formation, en fait, on s'entraîne sur des véhicules, ce qui nous permet de donner des techniques, des astuces à nos stagiaires sur des véhicules un peu spécifiques, avec des cours spécifiques, parce que c'est pas tous les jours que tu as un véhicule comme ça dans ton atelier. Et là, l'avantage, c'est qu'on est sur un produit, on est sur la voiture numéro 1 sur 500 quand même, sur cette Aventador SV, c'est vraiment un produit un peu exclusif. Tu vois, là, par exemple, la technique, c'était de masquer tous les autocollants. Là, les autocollants, apparemment, ils valent plus de 1000 euros. Donc deux malheureux autocollants gauche à droite, on est à plus de 1000 euros les autocollants. Donc tout ça, c'est du savoir-faire. Nous, on s'entraîne. Ici, tu as du carbone brut. Donc ça nous permet de protéger, d'expliquer aux stagiaires ce qu'il faut faire ou pas faire sur ce type de voiture. Et t'as besoin de tout ça pour la polir? Alors, j'ai pas besoin de tout ça, mais il y a une bonne partie qu'on va utiliser en fonction de chaque zone, en fonction de chaque élément. Par exemple, celle-ci, dans l'intérieur de porte, elle passe pas. Donc je vais utiliser un Dremel pour aller à l'intérieur. Ici, là, si je dépasse, je vais venir toucher les rebords. Donc je vais venir manger mes arêtes, ce qui n'est super, surtout pas bon. Donc du coup, on va utiliser une nano. J'ai répondu à tes questions, Nassim? Ouais, c'était clair. Nickel. Merci. Bonne journée à toi. Merci, salut. Salut.